Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand mare des canards, et s'appelait les copains d'abord. Ces fluctuates, les clergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, les copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodomégomore. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils aimaient toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur crédo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leur bras lançait des SOS, on leur est dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin quand l'un d'entre eux manquait à bord. Il n'est jamais au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord. Père peinard sur la grande mare des canards, et ça fait les copains d'abord, les copains d'abord. La 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 la. J'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord. Il y a ton père peinard sur la grand mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.